גבירותיי ורבותיי, חברים וחברות כאן בירושלים ובכל רחבי העולם היהודי, ערב טוב ושלום רב. איזו התרגשות. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, כך מברכים עולי הרגל את העיר ואת יושביה במזמור תהילים. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, איזה יופי של ציווי ואיזה יופי של ברכה. ראשית ציווי, שאלו שלום ירושלים, דרשו את שלומה של העיר ירושלים, ואולי גם הקפידו. Puis vient la promesse. Que ceux qui t'aiment jouissent de repos. C'est une conjugaison très particulière du mot shalva, paix, repos. Ceux qui t'aiment nous promènent et nous promettent la paix. Plutôt ciel, amen, ainsi soit-il. Que Jérusalem et nous aussi puissent bénéficier de la paix et aussi du repos. Je m'appelle Izhar Hess, président adjoint de l'Organisation Zioniste Mondiale, et j'ai l'honneur d'ouvrir cet événement spécial et important qui, nous espérons, deviendra une tradition. Se retrouver ici pendant les 10 jours de remerciement, ces jours spéciaux entre le jour de l'Holocauste et le jour de l'indépendance, pour lire d'ici, au mur des Lamentations, la déclaration d'indépendance, le document fondateur de l'État d'Israël. C'est un grand honneur que donc faire cette soirée. Ce document, la déclaration, c'est quelque chose qui est vraiment très spécial. Ça ne va pas de soi. En plein combat, on a essayé de promettre et de montrer la forme de la déclaration d'indépendance. Cette déclaration d'indépendance est une valeur fondatrice de la souveraineté israélienne. Notre déclaration d'indépendance est un document exemplaire juif et israélien qui montre l'éthique et la politique, juif et démocratique, démocratique et juif, tout en une parole. Ici, au Kotel, le mur des lamentations de cette communauté d'Israël, nous souhaitons commencer une tradition, une coutume pour les années à venir. Nous souhaitons renforcer et redonner vigueur à la glorieuse vision de la déclaration d'indépendance avec ce lieu, avec le public, avec cette audience, avec cette date spéciale déjà mentionnée, et aussi avec les Teamei Hamikra, les noms bibliques. Le peuple juif se félicite d'avoir 5 Megillot, le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, Echa, l'Ecclésiaste et Esther. Chaque Megillah est liée à une fête particulière, chacune raconte une histoire, chacune est lue lors d'une fête et chacune raconte son histoire particulière. La déclaration d'indépendance, bien entendu, est différente. Elle n'est pas sacrée, elle n'est pas religieuse, mais elle a aussi une histoire à raconter et il faut raconter cette histoire pour qu'elle soit entendue partout dans le monde et en Israël avec les noms bibliques, donc juifs et démocratiques, démocratiques et juifs, en une parole. Les lecteurs et les lectrices vont le faire selon la notation musicale traditionnelle, chacun selon la communauté d'origine d'où il ou elle vient. 12 lecteurs et lectrices pour 12 tribus, et il s'agit de lecteurs et lectrices qui viennent de différents courants du judaïsme, orthodoxe, réformé, laïque. Donc c'est une nouvelle coutume, c'est une nouvelle façon de lire cette déclaration qui veut dire aussi une interprétation juive. Il s'agit de donner une dimension spirituelle, de canon, presque de sacré à ces mots, donc juive et démocratique, démocratique et juive en une parole. Je suis très fier d'avoir avec nous ici tellement d'organisations et de mouvements. Nous avons été vraiment submergés d'appels qui voulaient se joindre à cet événement. C'est très émouvant. Malheureusement, à cause de la crise et de la pandémie actuelle, on ne peut pas avoir trop de personnes présentes ici, mais grâce à la technologie, nous sommes ici en présence de plusieurs juifs et juives, familles juives, ici et dans le monde. Eh bien, chers amis, avant de voir et d'écouter ces 12 lecteurs et lectrices, nous avons pensé à une chanson, un poète liturgique que nous allons d'abord entendre, et j'aimerais donc inviter la Paitanit, notre chantre ou poète liturgique, Yala Halamish.
לכל אחד ישירו שמה ירושלים, שהוא עולם, עולם לחלומות, עד שתעלה בהר פריחת הליל, ותאיר לו בערוב יומו. עד שתעלה בהר פריחת הליל, ותאיר לו בערוב יומו. מאפרך ירושלים, יאירו לו פרחי הליל. לכל אחד ישנו מקום בירושלים, שהוא קורא לו אהבה, כשיבוא בסוף יחף וקר אלייך, אם תקוע האור והאהבה, כשיבוא בסוף יחף וקר אלייך, אם תקוע האור והאהבה. מאפרך ירושלים, יאירו לו פרחי הליל. עלייה ראשונה? לעלייה הראשונה. Première alia. Et bien pour cette première alia, nous invitons la rabbine Chaya Weinbecker. Al Shehi Rabat Kilat Zion. Rabbin, la rabbine de la communauté de Ramot Zion à Jérusalem, ancien diplômé de Noam et une des premières ou des pionnières rabbines communautaires en Israël. Eretz Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle, et fit don de la Bible au monde entier. Contraint à l'exil, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale. Et maintenant, pour la deuxième alia, le rabbin Elkana Sherlo. Pour être marié à Maya, père de 8 enfants, habitant de Yerucham, qui est un des leaders du programme de rabbinat israélien et un des leaders du mouvement de Torah et Avoda
les fidèles de Torah et Avoda, Nehemanei Torah et Avoda. Motivés par cet attachement historique, les Juifs s'efforcèrent au cours des siècles de retourner au pays de leurs ancêtres pour y reconstituer leur état. Tout au long des dernières décennies, ils s'y rendirent en masse, pionniers, maapilim et défenseurs. Ils y défrichèrent le désert, firent renaître leur langue, bâtirent cités et villages et établirent une communauté en pleine croissance, ayant sa propre vie économique et culturelle. Ils n'aspiraient qu'à la paix encore qu'ils aient toujours été prêts à se défendre. Ils apportèrent les bienfaits du progrès à tous les habitants du pays. Ils nourrirent toujours l'espoir de réaliser leur indépendance nationale. Notre troisième alia, rabbin Tamir Nir, qui est le rabbin de la communauté Arva Bakerem de Jérusalem, ancien adjoint au maire de Jérusalem et ancien activiste social qui est aujourd'hui le président du centre Eshel. En 1897, inspiré par la vision de l'État juif qu'avait eu Théodore Herzl, le premier congrès sioniste proclame le droit du peuple juif à la renaissance nationale dans son propre pays. Ce droit fut reconnu par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et réaffirmé par le mandat de la Société des Nations qui accordait une reconnaissance international formel des liens du peuple juif avec la terre d'Israël, ainsi que son droit d'y reconstituer son foyer national. L'Aliya Revit. Notre quatrième alia, Ayala Dekel, chercheur et enseignante qui enseigne en Israël les valeurs de la déclaration d'indépendance et qui fait tout cela comme partie de la yeshiva laïque de Bina. La Shoah, qui anéantit des millions de Juifs en Europe, démontre à nouveau l'urgence de remédier à l'absence d'une patrie juive par le rétablissement de l'État juif dans le pays d'Israël, qui ouvrirait ses portes à tous les Juifs et conférerait au peuple juif l'égalité des droits au sein de la famille des nations. Et maintenant, le rabbin Avi Novis Deutsch, qui vit avec sa famille au kibbutz Hanton de la Galilée, qui est un grand savant, un des initiateurs du programme Ashira Teilot pour la formation de Shlichei Tibour et pour être le doyen du Beit Midrash de Rabina, le rabbin Scherter. Les survivants de la Shoah en Europe, ainsi que des Juifs d'autres pays,
revendiquant leur droit à une vie de dignité, de liberté et de travail dans la patrie de leurs ancêtres, et sans se laisser effrayer par les obstacles de la difficulté, cherchèrent sans relâche à rentrer au pays d'Israël. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif dans le pays d'Israël contribua pleinement à la lutte menée par les nations éprises de liberté contre le fléau nazi. Les sacrifices de ces soldats et l'effort de guerre de ces travailleurs le qualifiaient pour prendre place à rang d'égalité parmi les peuples qui fondèrent l'Organisation des Nations Unies. Pour notre sixième alia, la rabbine, la femme rabbin Dvorah Evron, qui est grande savante, qui a eu de nombreux étudiants, qui dirige l'Institut de leadership juif ilhatique ou alachique à Or Torah Stone et qui est la première chef spirituelle de l'université de Bar-Ilan. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution prévoyant la création d'un État juif indépendant dans le pays d'Israël et invita les habitants du pays à prendre les mesures nécessaires pour appliquer ce plan. La reconnaissance par les Nations unies du droit du peuple juif à établir son État indépendant ne saurait être révoquée. C'est de plus le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans son propre État souverain. Pour notre septième alia, nous invitons de Los Angeles le Chazan Danny Messeng, qui est un compositeur, un chanteur et un musicien connu aujourd'hui en Amérique du Nord, mais aussi parce qu'il est le petit-fils du rabbin Dr. Shalom Tzvi Davidovich, ancien diplômé du JTS, qui est arrivé en Israël dans les années 30 du siècle précédent. Après une carrière glorieuse en tant que rabbin militaire et rabbin communautaire aux États-Unis, qui, de Tel Aviv, a créé les premières traductions de Shakespeare en hébreu. Je me rappelle encore qu'on a appris Hamlet, qui a été traduit par ses mains. Mais le plus important, c'est que lui, le rabbin Dr. Shalom Tzvi Davidovich, le grand-père de Dani, qui était un grand savant, qui connaissait tout, c'était lui auquel on s'était adressé pendant cette période orageuse de 1948 pour rédiger la première version de la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. En conséquence, nous, membres du Conseil national représentant le peuple juif du pays d'Israël et le mouvement sioniste mondial, réunis aujourd'hui, jour de l'expiration du mandat britannique, en assemblée solennelle et en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif, ainsi que de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, proclamons la fondation de l'État juif dans le pays d'Israël, qui portera le nom d'État d'Israël. Pour notre huitième alia, Osnat Ben Shoshan, qui est Chazan et qui enseigne la poésie liturgique, qui est la directrice d'une société high-tech à Jérusalem et qui est à la tête de la communauté d'Egel Yehuda, une communauté séfarade égalitaire à Jérusalem. Nous déclarons qu'à compter de la fin du mandat,
à minuit. Dans la nuit du 14 au 15 mai 1948, et jusqu'à ce que des organismes constitutionnels régulièrement élus entrent en fonction, conformément à une constitution qui devra être adoptée, par une assemblée constituante d'ici le 1er octobre 1948, le présent Conseil agira en tant qu'assemblée provisoire de l'État et que son propre organe exécutif, l'administration nationale, constituera le gouvernement provisoire de l'État d'Israël. Pour notre 9e alia, Sarah Evron, membre de Kibbutz Sa'ad, éducatrice, visionnaire, qui passe tout son temps comme activiste sociale et qui est à la tête du centre Yaakov Herzog dans la direction du kibbutz religieux. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. Pour notre 10e alia, Rebecca Weiss, qui est venue en Israël du Canada via le Garin de Tzabar et a rejoint l'école préparatoire militaire de Narchon, qui a fait son service militaire en éducation à Tzahal et qui est ancienne diplômée des camps de Ramah aux États-Unis et qui a choisi de créer son foyer en Israël. L'État d'Israël est prêt à coopérer avec les organismes et représentants des Nations Unies pour l'application de la résolution adoptée par l'Assemblée le 29 novembre 1947 et à prendre toutes les mesures pour réaliser l'union économique de toutes les parties du pays. Nous faisons appel aux Nations Unies afin qu'elles aident le peuple juif à édifier son État et à qu'elles admettent Israël dans la famille des nations. Pour notre 11e alia, la rabbine Keren Appelbaum-Riff, qui est une des premières initiatrices de cette lecture avec les noms bibliques de la Déclaration d'indépendance, qui est une des leaders du renouvellement communautaire en Israël et qui est une des créatrices et fondatrices du Beit Midrash de l'éducation juive et la Midrasha israélite, Beit Prat. Aux prises avec une brutale agression, nous invitons cependant les habitants arabes à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'État
sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l'État. Nous tendons la main de l'amitié, de la paix et du bon voisinage à tous les États qui nous entourent et à leurs peuples. Nous les invitons à coopérer avec la nation juive indépendante pour le bien commun de tous. L'État d'Israël est prêt à contribuer au progrès de l'ensemble du Moyen-Orient. Pour notre 12e Aliya, Smadar Bilik, qui passe tout son temps pour renforcer les relations entre les Juifs en Israël et les Juifs de la diaspora, pour son rôle dans la direction de la communauté Kodesh Vechol à Holon et pour avoir choisi de servir le peuple juif au Hebrew Union College à Jérusalem. Nous lançons un appel au peuple juif de par le monde à se rallier à nous dans la tâche d'immigration et de mise en valeur et à nous assister dans le grand combat que nous livrons pour réaliser le rêve poursuivi de génération en génération, la rédemption d'Israël. Confiant en l'Éternel Tout-Puissant, nous signons cette déclaration sur le sol de la patrie, dans la ville de Tel Aviv, en cette séance de l'Assemblée provisoire de l'État, tenue la veille du Shabbat, 5 Iyar 5708, 14 mai 1948. Sois béni, nos lecteurs et lectrices. Ils sont venus lire cette déclaration en honneur du public et de l'audience et de la nation et de l'indépendance d'Israël. Nous en tirerons plusieurs années de vie indépendante et souveraine, une vie d'amour et de paix, de sécurité et de santé pour nous, pour tout Israël, pour tous les habitants du monde. Amen. Et maintenant, la prière pour l'État d'Israël. Avinu, Avinu, Sheba Shama. Notre Père qui est aux cieux. Rocher et sauveur d'Israël. Sheba Shama. Israël Vegoalo. Notre Père qui est aux cieux, rocher et sauveur d'Israël, bénis l'État d'Israël. Premier germe de notre délivrance. Protège-le sous les ailes de ta bonté et étends sur lui la tente de ta paix. Envoie ta lumière et ta vérité à ses chefs, ses ministres
et ses conseillers. Et oriente-les dans le sens qui te paraît bon. Oriente-les dans le sens qui te paraît bon. Notre Père qui est aux cieux, rocher et sauveur d'Israël, fortifie les bras des défenseurs de notre terre sainte. Accorde-leur, notre Dieu, ton secours. Couronne-les du diadème de la victoire. Et fais régner la paix dans le pays. Et une joie infinie chez ses habitants. Tu Israel vego alo avinu avinu sheba shamayim. Tu Israel, notre Père qui est aux cieux, rocher et sauveur d'Israël. Quant à nos frères de toute la maison d'Israël, souviens-toi d'eux dans tous les pays où ils sont dispersés et ramène-les bientôt la tête haute à Sion, ta ville, et à Jérusalem, lieu de ton temple. Comme s'il est écrit dans la loi de Moïse, ton serviteur, si les bannis se trouvent à l'extrémité des cieux, de là le Seigneur ton Dieu te recueillera et de là il te prendra et il t'amènera dans le pays que tes ancêtres ont conquis. Et tu le conquerras. Et envoie et unis notre cœur à l'amour et à la crainte de ton nom, en vue de garder toutes les paroles de ta loi. Envoie-nous bientôt ton Messie de justice, le Fils de David. Que brille dans ta splendeur de ta puissance merveilleuse sur tous les habitants de l'univers, ta terre, et que tout être qui possède une âme affirme le Seigneur Dieu d'Israël est roi et son règne domine toutes choses. Amen. Nous avons dans un instant chanté la Tikva, mais encore quelques mots. Nous allons célébrer le jour de deuil, Yom HaZikaron, et le jour de l'indépendance. C'est un passage très délicat qui est tellement israélien. C'est une transition, c'est une avdala, une différenciation entre le deuil du jour de la mémoire et le jour d'indépendance. C'est une avdala entre Kodesh et Kodesh, entre sacré et sacré. Nous avons donc un poème que nous avons écrit, qui va être lu d'ici, là où la souveraineté israélienne est née, là où on a dansé le premier jour d'indépendance. Thank you.
מישון לציון הנה הנה לירושלים מבשרת ענה אדוני יושיע ענה ענה אדוני הצליח ענה הצליחנו הצלח מדינתנו הצלח חיילנו וחיילותינו הצלח קהילותינו בישראל ובתפוצות ושלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו J'aimerais remercier toutes les organisations qui ont pris partie de cet événement, les païtanimes, donc les chanteurs, les lecteurs, les lectrices, les membres de la production, et bien entendu mes collègues à la direction de l'organisation mondiale sioniste, Tammy Gottlieb et Yaron Shavit, le président adjoint. J'aimerais aussi remercier les membres et les employés de l'Organisation mondiale juive. Chers amis, Atikva. Oh,
יש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים